Bienvenue pour votre astro tarot du mois avec le jeu du grand tarot de Madame Lenormand pour vos amours. Bienvenue amis Sagittaire dans cet astro tarot pour vos amours avec cette première carte du 7 de pique qui représente le grand œuvre. Elle a des effets très positifs. Dans sa représentation, le sujet central, on aperçoit un artiste qui observe la matière qui se solidifie. Dans son interprétation, cette carte favorise les mariages, les unions, associations fécondes et durables. Cette carte a des effets très bénéfiques sur les cartes qui l'entourent. Elle peut annoncer la naissance d'un enfant ou d'un projet à deux. Toujours pour vos amours, amis Sagittaire, avec cette carte qui est le 6 de trèfle. C'est la garde de Troie, aux effets variables. Dans sa représentation centrale, nous apercevons Paris et Ménélas qui se font face avant de s'affronter en combat singulier. Dans votre vie de couple, la carte conseille de rechercher la conciliation et de préférer des solutions aimables plutôt que de rentrer directement dans des conflits. On sait que ce combat singulier fut vain et qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Avec cette troisième carte qui est la Dame de Carreau, elle représente la guerre de Troie. Ses effets sont estompés. Dans sa représentation centrale, nous apercevons Eris qui est furieuse de ne pas avoir été invitée aux noces de Pélée et Thétis. Elle jette une pomme d'or sur laquelle est écrit « à la plus belle ». Cette carte représente donc des conflits ou en tout cas des jalousies, des médisances. Proche de vous, qui pourrait semer la zizanie par rancune ou par vengeance? Une fête ou une réception peut être gâchée par des dissensions. Terminons cet astro-tarot pour le mois de juin, amis Sagittaire, avec la Dame de Cœur. L'apothéose, elle représente l'ordre des temps. Ses effets sont plutôt positifs. Dans sa représentation centrale, nous apercevons Jupiter qui indique à Astrée la place qui lui revient au ciel. Cette carte indique la nécessité de faire un choix et de mettre un peu d'ordre dans votre vie. Concernant un projet de vacances, il va falloir trancher et s'engager. Poursuivons notre astro-tarot et pour cela, je vais utiliser le tarot de Salvador Dali pour votre travail, vos activités et vos projets. Poursuivons, amis Sagittaire, cet astro-tarot. La première carte qui ressort pour votre tirage du mois de juin 2021 est le roi de bâtons. Pour sa représentation du soleil, côté travail, considérez vos tâches et devoirs comme autant de chances. Traversez le feu pour réaliser vos désirs profonds avec habileté et sans crainte. Avec cette seconde carte du 7 de denier, c'est l'heure des bilans. Même si nous pouvons bien avoir devant ou derrière nous une montagne d'efforts et de soucis, ici, il s'agit du bilan de nos résultats antérieurs et de la détermination de nouveaux objectifs. Partez à la recherche de pistes et essayez d'interpréter les signes. Parfois, des obstacles donnent aussi des indices importants. Cherchez et trouvez jusqu'à ce que le mystère s'ouvre à vous. Développez votre échelle individuelle, vous grandirez avec vos défis. Avec cette troisième carte qui est la reine de coupe, c'est la voix du cœur qui parlera. Nous apercevons une composition picturale originale et riche de sens. Le bord droit de l'image montre un petit cœur ou une rose, à la fois ombre et produit d'une imagination débordante comme le fantôme du valet de coupe. Sachez davantage vous ouvrir à vos collègues qui pourraient bien vous reprocher votre côté hermétique. Avec cette quatrième carte qui concerne le domaine de vos activités, amis Sagittaire, c'est celle du pendu. À première vue, le personnage suspendu sur la carte est plutôt grotesque. Le thème véhiculé dans cette carte est la folie, l'isolement et aussi l'absurde. Mais il est question également d'autre chose. Le pendu a l'air d'être bien avec lui-même. Simplement, son point d'attache n'est pas sur la terre, n'est plus de nature terrestre. Surtout, examinez bien les fondements de vos croyances et après un examen approfondi, n'hésitez pas à vous confier à elle sans limite. Pour ce troisième tirage de cet astro-tarot, je vais utiliser le tarot des planètes. Amis Sagittaire, poursuivons notre astro-tarot avec cette carte de Vénus positif où l'on aperçoit une jeune fille sensuelle se laissant décoiffer par le vent dans une prairie fleurie. Elle est en harmonie. Proche de la maison 5, vous ne devriez pas trop avoir d'écueil dans vos finances. Cette carte de la maison 1 représente un homme seul avec lui-même qui tient son menton dans une main tandis qu'il appuie l'autre sur son cœur. Son attitude est celle de la méditation et son expression est sérieuse. Il est concentré sur ses pensées et réfléchit sur lui-même. Gare toutefois aux états d'âme. Avec cette carte de la maison 5, où l'on aperçoit au premier plan une tente de cirque, et sur le fond, les montagnes russes et la roue panoramique représentent la volonté de jouer et de passer des moments agréables sans vous soucier de la dépense. Avec cette carte du feu, où l'on aperçoit une grande flambée qui irradie par sa force et sa lumière. Le feu au premier plan
envahit toute la carte, tout comme il recouvre et transforme tout ce qu'il atteint. C'est la carte de l'exaltation, de la volonté, de la force et de l'énergie. Telle une force attractive, vous saurez attirer à vous l'argent. Pour ce quatrième et dernier tirage, j'ai choisi le tarot des anges. Je suis l'ange qui vient vous délivrer de vos vieilles pensées. Vivez de façon plus libre, exempte de préoccupations. Je vous donne ce que demande votre cœur, joie et renaissance. C'était votre astro-tarot. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation plus personnelle. Merci à vous, à bientôt.